maintenant au travail. Qu'allez-vous faire? De la gastéropodesthésie. De la gastéropodesthésie. Oui, avec l'aide de Coriolan. Coriolan? Coriolan, que voici. Oh, monsieur Cleckbuff, un escargot. Pour le vulgaire, le profane, oui. Mais pour ceux qui, comme moi, ont la connaissance, c'est un Helix inspiratus. Un Félix inspiratus? Non, un Helix respiratus, un escargot inspiré, l'escargot qui cherche et qui trouve l'escargot infaillible. Il est curieux. Oui, il est dextrogyre. C'est-à-dire que la coquille, comme vous le voyez, s'enroule à l'envers. C'est extrêmement rare. Il est pas comme les autres, quoi? Ah non, non, puisque généralement, l'escargot est sénestrogyre. C'est-à-dire que sa coquille s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que l'inspiratus, c'est merveilleux. Et vous croyez que... Oh, sans aucun doute, nous allons lui montrer une gravure représentant le boudin sacré. Voilà, là, va, Coriolan. Mais dites-moi, il s'appelle vraiment Coriolan? Oui, c'est le nom que je lui ai donné en souvenir de ma regrettée tante Sacavini. Cherche, Coriolan, cherche. Monsieur Cleckbuff, il grimpe sur moi et... Bah, laissez-le faire. Il pénètre dans votre poche, Coriolan. Parfait. Il siffle, il l'a trouvé. Mais monsieur Maclouf, c'est le faux goutte-gousse, le boudin made in Madagascar. Je le savais, mais n'est-ce pas déjà une jolie performance destinée à vous mettre en confiance? Oh, ça alors, ça c'est quelqu'un, votre Félix. Félix, Félix inspiratus. À présent, nous allons rechercher le vrai goutte-gousse. Montrez-lui encore une fois la gravure, s'il vous plaît. Voilà. Regarde, petit Coriolan, escargot de nos espoirs. Oh, attendez. Attendez, je vais lui donner quelques gouttes d'alcool d'ail. Voilà, pour augmenter ses facultés de détection. Voilà, alors, passez-moi la map monde. Bien, je le pose dessus, au hasard. Va, Coriolan, cherche. Allez, cherche et trouve. Ah. Il avance, le voilà sur l'Angleterre. Il continue, le voilà sur l'Amérique, non, ce n'est pas ça, sur l'Afrique à présent, l'Australie, alors encore, il y en a, cherche. Oh, monsieur Cleckbuff, il va tout de travers, on dirait qu'il est sous. C'est l'effet de l'alcool d'ail, il repart, voyez, il repart. Il s'arrête sur la France. Il siffle, il ne bouge plus, donc pas d'erreur possible. Le goutte-gousse est en France. Ah, oui. Alors maintenant, il faut une carte de France pour déterminer l'endroit exact. Tenez, la voilà. Voilà, déplions-la, bien à plat. Là. Allez, va, Coriolan, cherche, va. Va, allez. Oh, il bouge presque plus, il hésite. Alors, encore quelques gouttes d'alcool d'ail. Voilà, je le pose sur Paris. Non, il cherche, voyez, il cherche, il s'oriente. Il est malin, il se dirige vers la Bretagne. Ah non, il revient. Il descend. Oh, il descend. On dirait qu'il contourne la Bourgogne. Il l'évite, c'est normal, frère Cleckbuff. La Bourgogne est le pays des escargots, il se méfie. Oh, il se renverse. Il est complètement en poivre. Sans importance. On va s'arranger, vous voyez. Vous voyez, il se redresse, il continue à descendre. Il ralentit sur la Haute-Garonne. Il s'arrête. Il ne bouge plus. Eh bien, Coriolan, va, mon petit Coriolan. Mes amis, nous y sommes. Coriolan a trouvé, c'est formel, le goutte-gousse, le boudin sacré, est à Toulouse. Toulouse. Eh oui, mes frères. Le boudin sacré, le vrai goutte-gousse, se trouve à Toulouse. Mais c'est ahurissant. Non, c'est en Haute-Garonne. Vous êtes sûr? Absolument certain. Je vous l'ai déjà dit. Coriolan, mon escargot inspiré, mon Helix inspiratus, est infaillible. Il ne peut pas se tromper. Mon frère Maclouf, je ne sais comment vous remercier. Moi, je le sais. Quelques roupies supplémentaires ne pourraient que m'inciter à parfaire la tâche entreprise. Celui-là, alors, il n'y a que les ronds qui comptent. Grognache, donne 125 roupies à notre vénéré frère Maclouf. Si vous pouviez arrondir à 178, ça m'arrangerait. L'entretien de mon escargot inspiré, et puis, tout sage que je suis, une petite virée par-ci, par-là, les frais que comporte l'étude de l'âme et de l'anatomie. Féminine. D'accord, mon frère. Maintenant,
Quel conseil formulez-vous? Un seul est valable. Se rendre à Toulouse et agir sur place. Eh bien, vous venez avec nous. Naturellement. Sans moi et sans Coriolan, vous ne pouvez rien. Mon frère Grognache, préparez le panier de croisière pour Coriolan. Et qu'est-ce que j'y mets? Placez au fond un tapis pour qu'il puisse voyager confortablement. Garnissez le pourtour d'ail, de persil haché, de feuilles de salade et un bavoir afin qu'il puisse se maintenir en parfaite condition d'hygiène. Faut pas aussi lui mettre une tablette de chocolat et des gâteaux secs, non? Grognache, fais ce qu'on te dit. Faites ce qu'on vous dit. Et téléphone à l'aéroport qu'on prépare un avion spécial secret. Ne donne aucune explication. Pas de personnel navigant. Je piloterai moi-même. Mais vous savez piloter un avion, monsieur Kleckmuff? Oui. J'ai appris par correspondance. Allez, on part dans 20 minutes. On arrive. Voilà Toulouse. On arrive. Attachez vos lacets et montez vos chaussettes. Attention, je me pose. Voilà, on y est. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.